Frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, je vous salue. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Romains, Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Parole de l'Éternel. Ce verset est utilisé à tort et à travers par les chrétiens de nos jours. Tout le monde pense qu'il suffit de dire Jésus pour être en Christ. Tu ne peux pas, et surtout tu ne dois pas penser que ce passage s'applique à toi si ta vie est encore la copie conforme la copie conforme de celle des gens du monde. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ, pour celui qui marche selon les principes du Christ. Matthieu 7, versets 21 à 23, nous montre clairement qu'il ne suffit pas de dire le nom de Jésus ou d'opérer sous le nom, sous ce nom-là, pour avoir une relation avec Christ. Non. Il faut beaucoup, beaucoup plus, beaucoup de discipline pour avoir une relation réelle avec Jésus. Il ne suffit pas juste de dire Jésus. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Ça serait très facile, non? Assure-toi que tu vis en Christ, ma sœur. Assure-toi que tu vis en Christ, mon frère. Assure-toi qu'au dernier jour, il ne te reniera pas. Vous savez, le monde peut ne pas savoir les détails de ta vie. Mais je t'assure, rien, absolument rien n'échappe à notre Dieu. Même quand tu penses que tu es vraiment dans le secret, personne ne te voit là. Dieu te voit. Il ne suffit pas de te cacher derrière ce verset alors que tu mènes une vie de païen. Qu'on ne se mente pas, qu'on ne se voile pas la face. Aucun païen, je répète, aucun païen ne sera sauvé. Aucun païen n'ira pas dans le royaume de Dieu. Dieu est saint, il ne peut pas cohabiter avec des païens. Non! Ne t'induis pas en erreur. Ne te voile pas la face, mon frère. Ne te voile pas la face, ma soeur. Si tu fonctionnes encore selon le système de ce monde, fais la paix avec ton Dieu. Il est encore temps. Jésus revient bientôt. Et donne à Dieu ta vie. Donne ta vie véritablement. Car il n'y a aucune condamnation uniquement pour ceux qui sont en Christ. La Bible ne dit pas pour ceux qui sont à côté de Christ. Non! Ceux qui prononcent ou qui parlent de Christ, non! Être en Christ a plus attrait à ton train et style de vie. Celui qui mène une vie d'adultère, peut-être, par exemple, il ne peut pas penser que il va rentrer dans le ciel. Non! Il peut parler de Jésus, mais cela ne veut pas dire qu'il a une relation, que cette personne est en Jésus-Christ. Non! Exode 27. Exode 20, verset 7. Il explique bien ça. Pour que la protection de Dieu soit pour toi. Tu dois lui appartenir.
C'est clair qu'il y a des grâces qui couvrent tout le monde, sans exception. Comme par exemple le soleil qui se lève pour tout le monde. Le soleil est une création de Dieu qui s'applique à tous, peu importe notre bord religieux ou notre relation avec Jésus. Mais le salut, lui par contre, est personnel et n'est disponible que pour celui qui veut en profiter. Ce n'est pas parce que tu bénéficies des privilèges du soleil que tu es automatiquement sauvé. Non. Non, non, non. Tu es responsable de ton salut, mon frère. Tu es responsable de ton salut, ma soeur. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Et non pour celui qui vit en dehors de Christ. Celui qui vit selon les désirs de sa chair ne doit même pas s'approprier ce verset. Oubliez ça. Parce que de nos jours, même les féticheurs, les menteurs, les voleurs utilisent ces versets. Bible n'est pas un livre de sorciers. C'est le livre de toute personne qui cherche ou aime ou vit pas pour Jésus-Christ, pas, qui vit pour Jésus-Christ. Ce verset ne cautionne ou ne justifie nullement une vie d'adultère, non. Une vie désordonnée, une vie qui maudit Dieu, non. Ce verset ne doit pas te servir de couverture pour continuer à mener une vie en abomination devant Jésus. Car celui qui est en Jésus a aussi Jésus en lui. Celui qui a Jésus en lui est forcément sous la direction de l'Esprit de Dieu. Et par conséquent, il se comporte comme Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse.